Paradisiaque qui s'appelle Taketomi. 200 habitants seulement, il y a seulement une école primaire et il y a 20 enfants dedans. Et on a pris ce cours de musique tout à l'heure et ça me rappelle à quel point, où qu'on aille dans le monde, les gens cherchent à exprimer les émotions. Et souvent en Occident, et peut-être aussi ici, on a tendance à anesthésier nos émotions au lieu de les exprimer. La musique est un moyen d'exprimer ces émotions. Parce que quand on anesthésie ces émotions, on bloque quelque chose à l'intérieur. Donc, est-ce que ça vous arrive parfois peut-être de bloquer une émotion, de ne pas exprimer quelque chose? Trouvez un moyen d'exprimer votre émotion, que si vous la gardez à l'intérieur, ça va vous ronger l'intérieur. En tout cas, ici on passe une journée incroyable. On a même des poissons volants qui viennent juste d'arriver. C'est assez incroyable, c'est la première fois que je vois des poissons qui volent, c'est réellement ça. Et en tout cas, vous pouvez voir, le cadre est juste paradisiaque. On a été reçu à l'hôtel de manière incroyable, donc on se réjouit d'avoir un dîner spectaculaire. Ok, alors ce soir, nouvelle cuisine okinawienne. Donc un mix des produits locaux de l'île de Taketomi, mélangé avec apparemment une cuisine française. Où il est écrit bon appétit. Donc on va découvrir ça, fascinant, et je me réjouis. Ici, vous voyez une petite baignoire très sympa. Voilà, petit tour du... c'est la douche. Voilà, magnifique. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Ça, on va sûrement utiliser, je pense, quand on aura le temps. Parce que mine de rien, au passage, vous nous voyez avoir un style de vie de rêve. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est ça aussi. C'est qu'on travaille beaucoup. Donc là, je fais une petite pause juste pour faire cette vidéo. Mais on va passer une heure encore à nouveau à travailler. Et puis, on va vraiment continuer un petit peu. Donc, on finit tard nos journées. Et on commence tôt. C'est aussi une réalité dans la vie, c'est que pour avoir un style de vie, de rêve, il faut aussi travailler fort. Ça, c'est quelque chose que je voulais aussi vous partager, parce que croire que ça va tomber du ciel, ça va pas arriver. Donc voilà, passage, donc je continue la petite visite très sympa ici. Passage, tout est vitré, donc ça c'est vraiment sympa. Et je crois que hier on avait un petit lit, mais là on a un des plus grands lits que j'ai vu. J'espère que ce petit message résonne pour vous, j'espère qu'il vous inspire. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube parce que tous les jours, je vais libérer un vlog de qualité comme ça pour vous inspirer, pour vous donner des clés, etc. Donc abonnez-vous à ma chaîne, parlez-en à tous vos amis pour qu'eux aussi puissent bénéficier de notre tour du monde. Si vous n'êtes jamais venu à un séminaire, inscrivez-vous sur votredestinationreussite.com. C'est mon séminaire phare. Ça a changé la vie de milliers de personnes, ça changera la vôtre. Donc votredestinationreussite.com. Et tout simplement, je vous dis à demain.